Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une redécouverte de Neo Duel Backpack Monsters. On remercie les devs de nous avoir envoyé une clé. Comme ça, on peut faire une vidéo avant la sortie du jeu. La sortie est prévue pour le 30 septembre 2024. Je sais pas quel jour exactement va sortir la vidéo, mais probablement le jour de la sortie ou avant la sortie. On peut voir en haut à droite qu'on a deux games à notre actif. J'ai fait une game pour me remettre un peu le jeu en main, et la première game, ça doit être la game qu'on a fait pendant la démo. Donc on va redécouvrir ça ensemble aujourd'hui, voir si ça a un peu évolué. J'ai pas eu l'impression pendant ma première game que ça avait beaucoup bougé. En même temps, la version démo était déjà plutôt complète, je trouve. Donc on va voir si on peut sortir un build sympa. Allez, let's go. Alors. Ok, ouais, donc c'est vrai, lui, il peut... fusionner avec tous les éléments. On a 12 gold. Là, ça fait 9 gold avec ce truc là. Qu'est-ce qu'on gagne à haste? Leur Cosmion Trigger 3% faster. Lui c'est un combattant. Donc alors en haut à gauche. Voilà. Donc en haut à gauche c'est attaqueur, caster ou defenders. On va dire que ce sont des classes. Et en haut à droite, donc, ah, les panels se superposent pas. Ok, j'espère qu'ils vont changer ça pour la version 1.0. Et en haut à droite, en fait, c'est le type du coup. Donc, Air, Water, Fire, Nature, Ice, Electric. On voit notre DPS, on voit notre Energy Usage. Elements. Et le nombre de Cosmion. Elements, ouais, ça doit être le nombre d'éléments qu'on a différents. Sur notre dans notre backpack. Alors, donc la cible c'est la précision, l'accuracy, la montre à gousset, c'est la vitesse d'attaque je pense, et le petit 3 en bas à gauche avec la pile, c'est l'énergie que ça consomme. Et donc les links, c'est... Il y a un symbole devant le link, c'est avec quoi on peut trigger le link. Et donc ça veut dire qu'on peut link avec n'importe quoi. Bon, on va essayer de partir sur Nature, pour l'instant c'est ce qu'on a. Et on va voir si notre ami, est-ce qu'on peut le link comme ça? Ouais, on peut. Il nous reste 3 gold. Et lui, il doit être linké avec... Avec de l'air. On n'a pas pris de créature R, donc il va être linké avec rien du tout. Alors il a une valeur d'attaque entre 1 et 6. Il peut crit, peut pas linker, mais on a déjà beaucoup de energy usage. Ah, c'était peut-être pas un bon call ce qu'on a fait là. 4,50 et 3. Very high, donc ça veut dire qu'on a des... On a des Cosmion qui vont miss en fait pendant le fight. Bon, let's go, on va voir ce que ça donne. Speed x1, ok. Ok. Out of energy. Attack mist, out of energy. Ouais. On dirait qu'on va quand même l'emporter. Mais pour l'instant, c'est pas du tout optimisé ce qu'on fait. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc faut win 15 fights pour aller en overtime, un genre d'overtime, j'imagine, un peu comme Backpack Battle. Donc lui, il a évolué. Donc maintenant, il a du type Nature. Et on hit, il inflige Acid. Acid, toutes les 2 secondes, deal 2 damage to shield and decrease Acid by 1. Deal 2 damage to shield. Alors, est-ce que c'est deal 2 damage par... d'acide ou est-ce que c'est deal 2 damage tout court? À mon avis c'est par point d'acide sinon c'est nul. Ouais, l'acide je suis pas fan. Pas dingue, pas dingue. Nature. Ok, de la restauration de PV. La restauration de PV c'est pas mal. Inflict one random debuff. Lui aussi il attaque.
Alors, decrease the present cosmic accuracy by 3. On start. Pas ouf. Alors, est-ce qu'on passe le Slimy en nature Slimy pour voir ce qu'il est capable de faire? On a déjà une créature nature. Ça peut être pas mal. Vas-y, on va essayer. 5. Bon, j'ai pas envie d'acheter grand chose. On va reroll une fois. Un combattant, un autre combattant. Air Essence. Ah, ce truc là peut fusionner avec la Nature Essence. Link, Clutch Trigger, 10% faster. Ok, ok. Baisser la cure ici, ça peut être vraiment pas mal. Ah, il faut qu'il soit linké à des casters. Et j'ai un caster. Ça y est, la maladie commence. La maladie du positionnement. Je vais voir si je fais un truc comme ça. Là, il est linké à un caster. Lui, il a plus qu'un seul link qui s'active. Lui, ouais, bof. Je vais faire un truc dans le genre. Alors, ouais, je voulais. Ouais, faut que je choisisse. Est-ce que j'améliore le Slimy ou est-ce que j'améliore le. Alors, on voit les fusions disponibles. J'ai joué il n'y a pas si longtemps, je me rappelle déjà plus des règles. Donc, on peut faire un Acid Cloud. L'acide, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que c'est plus late. J'ai l'impression que c'est plus late parce qu'en fait, si les gens ont pas de shield, juste ça me sert à rien. Mais bon. Partons comme ça, on verra bien. Ok, vitesse max direct. On déraille, hein, globalement. Mais lui, il est tout le temps full énergie, il utilise mal ses ressources. Ok, choose an upgrade. Reroll upgrade. Fast, gain hast, gain 7 hast. Adrenaline boost, once per duel. When you're below 25% health, gain shield equal to 25% of your maximum health. Best defense, inflict 5% of the damage you receive. Ok, je saurais pas me servir des deux autres, je pense que je vais prendre best defense. Ça marche tout le temps. Ok, ok, donc le strong stripe, c'est le truc qui me rapporte de la thune en fait. Bragoon, Bragoon, Bragoon. Crico et Baby Dragoon. Et ben on va essayer de faire un Bragoon, hein. Ça me va. Je vais voir. Tac. Lui il a l'air. Non, non, non. Il attaque. Et lui, ouais, c'est juste pour de. Lui, c'est vraiment juste pour de l'oseille. Donc il coûte 3 de crédit, on va dire. Donc une fois que je l'ai payé, il faut que je le laisse sur le board au moins 3 tours pour. Pour le rentabiliser. Et il peut fusionner. Avec un quai prêt. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok, donc lui, il consomme du flow pour faire des damages. Decrease opponent energy regeneration. Ah, ça c'est fort. Hein. Alors attends, la régénération c'est quoi? La régénération c'est la régénération de PV ou c'est la régénération d'énergie? Ok, ça a pas l'air ouf ça. Je pense que c'est les évolutions qui sont intéressantes. Là j'ai pas quelque chose qui m'intéresse par rapport à ce qu'on est en train de build. Je pourrais prendre des slots, ceci dit j'en ai pas besoin tout de suite. On pourrait prendre ça aussi. Voilà, donc là on a gagné des PV max. Pas si mal. Let's go.
Alors, on se fait dérailler ou c'est comment? Donc lui, il a de la régénération. On va baisser un peu là. Donc déjà, ouais, on perd. En termes d'énergie, c'est tendu. Il nous a mis un peu d'acide, mais on n'a pas de shield, donc on s'en fout. On lui met masse acide, mais il a pas de shield, donc on s'en fout. Ouais, c'est pas... Early game, l'acide, ça n'a pas l'air d'être très intéressant. Il est jamais en rate d'énergie. Et quand c'est Cosmion attaque, il gagne un PV. Donc il se régène et en plus il gagne un PV. Ok, mais sur le late, en fait, on est meilleur que lui. Alors, un truc que je vous ai pas montré, c'est que ici on a le récap de la bataille. On a le récap de nos damage. Donc Pedro, hein, Pedro et le Nature Mira qui ont fait beaucoup de damage chez nous. Et de l'autre côté, le Bragona, c'est ça, le Bragon, ok. On voit là, c'est la régène PV, le heal, quoi. C'est beaucoup heal, notre ami. Là, le shield, pas de shield, et là, il y a des buffs. Donc, on a un Bragoon. Maintenant. Qu'est-ce qu'on pouvait mixer avec un Kepré déjà? Je sais même plus. Ah, bah, c'était lui. Bon, on va tester, hein. Je pense. On va voir ce que ça fait. Ouais, le poison, le stun. Water qui est prêt, non. Un qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en termes d'énergie on passe en consommation élevée alors que on n'était pas. Ah oui, on a eu le. On a le Bragoon qui est arrivé dans notre team. Pedro fait mal, mais je veux pas que Pedro attaque, je veux que ce soit le Bragoon qui attaque. Mira consomme pas trop d'énergie. Pedro consomme 0,5 de moins par créature à laquelle il est linké, donc il va consommer 3. Ok. Et là maintenant on est low. C'est le Mira qu'il faudrait que j'enlève. Acceptable. Un truc dans le genre on pourrait faire. Ouais, on va partir comme ça. Le Mira, je pense qu'on s'en fout. En plus, l'acide, vraiment, là, ça nous sert à rien. Link plus 2 damage. Donc là, la créature qui est linkée va faire plus 2 damage. C'est gratos, ça, j'ai envie de dire. Hein. Toi, tu tapes? Toi, tu tapes pas. On va partir comme ça. Let's go. Je me demande si le son du jeu est assez fort. Je vais augmenter peut-être un poil. Ça a l'air d'être une easy win encore, hein. Pas du tout. Pas du tout. Alors sur la fin, qu'est-ce qui s'est passé sur la fin? Water Mira, Fire Essence. Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin? Ok, du feu, on n'en a pas eu beaucoup. Machiron, ça fait 118 et la Water Mira 107. Il s'est pas heal, il avait pas de shield. Alors là, c'est intéressant. Donc on a dû tomber en rate de d'énergie. Ou alors... Nous imposons un Fury Heals, Bugging Team Strength. Ah ouais, il avait ça. Il a fait un peu plus mal. Il n'a pas consommé de ressources en particulier. C'est dommage qu'on voit pas nos PV bouger
au fur et à mesure qu'on regarde l'historique, comme dans Backpack Battle. Mais bon, my bad. Ok, une loose. Alors toi. Ok. Ok, donc ça c'est du shield. Avec de la thune à chaque tour. C'est cool, on prend. Électrique. Water, 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 fire. If you stun the opponent, Mog gain plus 5 damage. Ok. J'imagine que ça se cumule. Mais je suis pas du tout parti sur ça comme type de build. Après ça là c'est vraiment je m'en fous. Déjà on a un item nature ici. Peut-être basculer notre ami là-bas en nature, je sais pas quoi. Là on a nature. Une cosmo cosmo, ouais, ok. Régène. Donc là on a pas mal de régène. De tout le type, c'est dommage qu'ils viennent se mettre à chaque fois en plein milieu de l'écran comme ça, on voit pas trop ce qu'on. Ouais. Ok, d'accord, il est venu se mettre là-bas parce que comme je suis en train d'over ici, il veut pas se mettre devant moi. Alors que si j'étais en train d'over là, ouais, ok, bon, pour. On va dire que ça va, on va dire que ça va. Alors. Ok, ça m'intéresse peut-être. Le Spiri. Il peut évoluer en Sapi avec un autre Spiri. S'il est linké à un défenseur, un defender, s'il est linké à un defender, on gagne Spike et Spike. On fait un damage quand on se fait toucher. Ça a l'air de mieux synergiser avec la restauration. Et avec notre relique qui renvoie 5% des damage. Lui me plaît bien. Lui c'est qui? Regular fish. Ok. Ok. Ok, bon, celui-là c'est pas mal. Faut qu'on le récupère. Va le récupérer. Je peux le mettre là? Ouais. Et ça aussi. Ok, faut vraiment mettre les trucs pile aux bons endroits. Donc lui c'est le mec qu'on veut garder. Il a 2,50 de cooldown donc il attaque plus souvent le Bragoon. Et à mon avis là on va pouvoir sell Pedro. Hein. Gislo. Et là j'ai plus une thune. Pedro il vaut 2 gold. Ça sent la défaite, mais si je fais ça, ça sent pas bon non plus. Link at start. Allez, on se le tente. Il a l'air de taper, d'avoir un DPS plus élevé que le nôtre. Donc maintenant le truc c'est est-ce que notre régène va couvrir? Oh ben même pas, parce qu'il a l'air de régène plus que nous aussi. Il a l'air d'avoir un bon build, hein. No claf. Alors lui il a 20% de chance de crit, c'est fort. Il gagne de l'écurie ici, ok. Et un Bragoon. Les deux petits trucs qui filent. Haste. Haste c'est quoi? Des triggers plus vite. Donc il lui reste 67 PV à la fin. Le Bragoon a tapé bien fort. Chez nous aussi. Spiri a pas à rougir, mais ok. Bon. On a un début de build, mais là va falloir scale à un moment donné, sinon ça va pas être possible. Alors, il 8 damage at start. Link, 10% de réduction. Alors, est-ce qu'on link la restauration? Où est-ce qu'on link? Où est-ce qu'on link comme ça? Non, qu'est-ce qu'il lui prend au jeu là? Alors est-ce qu'on link comme ça peut-être?
Start, Triflora, Epic Nature Essence, Rare Nature Essence. On le veut dans notre build. Gain 1 maximum healing equal to the stage. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Faut espérer vraiment que l'évolution sera plus intéressante. C'est une Defender. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Il lui faut juste un link. Il s'en fout de la nature, il lui faut juste un link. Comment est-ce qu'on peut se débrouiller? Caster. Deux trucs là sont des casters, donc il devrait être comme ça, globalement. Lui devrait taper plus vite. Après lui, on s'en fout. Hein. L'acide là, ça on s'en fout en vrai. On va pas laisser polluer notre jeu avec ça. Donc alors attends, comment est-ce qu'on peut faire notre compte? Ouais, là comme ça c'est bien. Et il y a lui. La maladie de ces jeux. Je sais pas pourquoi les créatures sautent automatiquement par contre. Il va être link à quoi? Non, lui il va être link à un défendeur. My bad. Voilà. Là, on a optimisé ça. Maintenant. Ok, c'est chiant parce qu'en fait, on peut sortir les... les Cosmions. Et on peut pas sortir les... Si, on peut les sortir en fait, mais on peut pas les sortir avec le raccourci. Les droits, ça marche pas. Ok, donc là ça c'est bon, maintenant lui il faut qu'il soit link à Nature. Nature ici, voilà, link. Ok, c'est bon. Lui il doit être link à rien du tout, il tape. Et lui honnêtement, je crois que lui on est OZEF. Hein. Lui c'est OZEF tier. Le cloud fait quoi? Ouais, ça réduit la cure ici. 10% chance de crise pour les Cosmos Inside. Ah, j'aurais dû regarder ça avant. Ok. Il va faire des dégâts. Donc le Bragoon. On va le mettre dedans. Encore de la nature. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Plus de heal. Bon, voyons voir si on arrive à tenir. Est-ce que j'ai pas oublié de modifier le son, moi? On va le monter un peu. Alors. On dirait qu'on est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il joue lui? Donc il a pris des coins, Greedy Dragon. Peut-être de l'oseille, ça joue Air et Nature. Ça joue surtout Air on dirait. Donc il gagne beaucoup d'accuracy, ses créatures crit. Il pose les nuages donc il baisse mon accuracy. Ouais donc arrivé à un certain montant là. Ils vont miss tout le temps, 33%. On dirait qu'il y a du diminishing return. Parce que lui, il a fini à 31% alors qu'il y a 32 nuages et c'est 3%. Donc je sais pas combien il commence, mais là, il finit à 31 avec 32 nuages.
Ok, bon, il faudrait que je me fasse un petit calcul pour voir combien il faut de nuages avant que ce soit vraiment efficace. Je pense qu'en dessous de 25% de chance de toucher, c'est vraiment, ça devient vraiment fort. Allez, c'est bon, en tout cas, on l'a déraillé, lui. Alors, all cosmion consume 1, less energy. Nature cosmion cost 1 less. Oh, ça peut être pas mal ça. Vu qu'on joue nature là. Master of all, if you have cosmion with at least 4 different elements, gain 4 toughness and I think 4 brittle. Alors, brittle, opponent takes 5% more damage from cosmion. Toughness, you take 5% less damage from cosmion. Donc, on réduit les dégâts qu'on va prendre de 20%. Et brittle. On augmente les dégâts que l'ennemi va prendre de 20%. Master of all, il faut avoir 4 éléments en jeu. On en a et on en a 2. Ça a l'air pas mal le build Master of all là. Augmenter tes damages de 20% et réduire les damages que tu reçois de 20%, c'est vénère. Mais on va prendre le Cheaper Leaves. Je pense. Nature. Donc lui il convertit du flow en acide. On a dit que l'acide pour l'instant ça nous intéressait pas. La fast zone, les cosmions à l'intérieur trigger plus vite. La fast zone ça me plaît. On va faire un truc comme ça. Le reroulage. On va prendre les Nature Essence. Parce que là, il faut une Rare Nature Essence pour faire évoluer ce truc-là. Là, il faut un autre Spiri. Ok, c'est quoi ça? La Shield Zone. C'est pas mal, la Shield Zone. Je pourrais la prendre, gagner un peu de shield. J'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Et peut-être que le shield sera pas très utile sur le build qu'on est en train de faire. On va essayer de se concentrer vraiment sur Nature. Donc la régène encore. L'huile. Ok, donc le dragon, on peut le mixer avec n'importe quel élément. Percuter. Si je te fais un truc comme ça, est-ce que t'es content? Ouais. Bon, il y a sûrement un meilleur positionnement à trouver, mais on va pas s'embourber dans de l'agencement pour une deuxième game. On écho un petit peu. Et on est parti. Et donc lui, ses damages montent très vite, mais le Spike, comme il tape beaucoup, le Spike lui fait... Attends, on a une créature qui s'appelle Spike? Non, c'est vraiment nos Spikes qui font autant de damage. Bah écoute, tant mieux. Il est correct. La restauration a beaucoup plus heal et Ulubel en même temps on a beaucoup de restauration. Et Ulubel c'est pas très fort en fait. Ça fait ouais ça restaure 6 et ça fait gagner des maximum HP en fait quand on les link c'est pas ouf, j'ai pu en acheter, on en a 3 ça suffit. Ah bah tiens, au moment où je dis ça, évidemment, il y en a une autre. Donc non. Toi t'es qui? David Essence. David Essence, Generate a random rare essence every stage. Ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal pourquoi? Ça peut être pas mal parce que en fait, même si c'est pas une essence qu'on veut, on pourra toujours la vendre. Après, il coûte cher, hein. Mais globalement, dès que j'ai vendu assez d'essence pour le rembourser, bon, c'est pas très grave. Il me reste 10 de gold derrière, vas-y, je le prends. Alors toi, à chaque fois que tu trigger, on gagne une spike. Et quand t'es linké à de la nature, tu nous files 2 de restauration. Bon, toi, je pense que t'es celui qu'on attendait. Alors, voyons voir comment on fait ça. Donc déjà, on baille ça. On baille ça. Lui, du coup, je sais plus si on en a besoin. Donc nature. Non, ça c'est de l'attaque speed. Cosmic Insight trigger faster. Ah là, c'est pas mal là. Donc on va mettre ça ici, ici, comme ça. Bim. Bon setup ça, bon setup. Bon, eux, globalement, eux en vrai, ils me saoulent là. Là, il y en a deux. Bon, moment de vérité, qu'est-ce qu'on fait? Avec un peu de chance. Ok. Est prêt avec on va le garder lui, on va voir ce que ça donne. Et donc maintenant je prends la régène. On va faire comme ça, ce sera plus efficace, je pense. Je prends de la régène ici et ici. À mon avis, là on n'est pas trop mal. On va bide des essences. Let's go. En 74 PV, pas mal de shield. Ok, lui il met du burn. Ok, il a un bon build. Meteor Cloud. Le Blaze Roll, épique, épique. Il a des créatures épiques. Il va aussi farmer les essences. Et il fait mal. Il fait mal. Decrease opponent healing by. Ouais, il nous counter en fait. Ok. Donc, je trouve un moyen de me débarrasser des. Des debuffs. Alors fais voir ce qu'il faisait lui. Il inflige cloud, fire, lava. No triggers, inflict one. Lui trigger toutes les 1 seconde 94. Il attaque aussi. De toute façon, fais voir les damage. Burn 700. Holy shit. Ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup de damage. Ok. Bon, il ne reste plus que 2 PV. Alors, on a gagné ça. Qu'est-ce que tu sais faire, toi? For every 20 shield you generate, gain 1 attaque. Quand il est linké. Ok. Et on a généré. Et c'est un gold, donc il faut que j'en fasse 6 pour le. Ça fait beaucoup. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une essence. Non, j'avais 2 essences tout à l'heure. Parce que je pouvais pas faire évoluer ce truc-là. Prenez ça. La régène. Node épique. Ok. C'est ça qu'on veut. Epic Air Essence. Bon. Alors, comment est-ce que on va positionner tout ça?
Ça, je sens que voilà. Non, toi, tu veux pas fonctionner comme ça. Comme ça, tu voudras bien, j'imagine. Bon, c'est pas très intéressant qu'il soit dans le truc de spin. Maintenant, toi, voilà. Et la régène est plus forte que. La régène est plus forte que le heal. Dommage, j'ai pas vraiment d'endroit où le mettre. Pas très grave. Alors, je pourrais reroll et vendre les. Ouais, on va essayer ça. Peut-être demander. C'est vraiment de l'optimisation à 2 balles là. Mais ça marche. Alors, pour tous les 20 de shield qu'on génère, on gagne 1 d'armure, mais on génère pas de shield. Là, on gagne 1 PV max par stage, donc on est au stage 9, donc on va gagner 9 PV, c'est pas ouf, mais avec le link, on gagne un de spike. La link. Un spike, là aussi un spike. Là, trigger. À chaque fois qu'on trigger, on gagne un spike. Il va pas beaucoup plus vite. Link, 10% réduction. Ouais, c'est toi qu'on doit link. Voilà. Link gagne spike at start. Bon. Beaucoup de spike. Beaucoup de spike si on se heal. Il nous manque du shield dans ce build. Il manque du shield et ça pourrait très très bien se passer. Ça a l'air de bien démarrer. Les spikes font le taf. On se heal correctement, hein. En termes de régène, on n'est pas trop mal. La restauration nous carry. Bon, pas de shield, hein, malheureusement. C'était que au début, ça. Les spikes continuent de faire le taf, ils continuent de monter. Avec le réflexe des damage. On est bien là. Hein. On n'est pas trop mal. Bon, il jouait quoi lui? Lui, il jouait Water. Water, donc il avait du flow, il avait des spikes aussi. Overheal, excess healing is converted to shield. Oh putain, il nous faut ça. Critical point, Cosmion. Critical damage is increased by 50%. Alors, fais voir. For every 6 you generate, gain 1. Ok, d'accord. Donc il a augmenté les damage des Water Dragon en générant du flow. Ah, c'est marrant, c'est lui qui a mangé les. Non, non, les deux ont la même value d'attaque. C'est juste moi qui suis débile. One link, Cosmion Trigon, Gain 1, nanana, ok. Il a ce truc là qui est là. Ah ouais, il nous faut Abatis, hein. Il nous faut Abatis. Rare. Et Sapi, c'est un rare. Nous, c'est Sapi qu'on veut build, donc. Donc Sapi, c'est un rare. Alors fais voir ce qu'il fait, Sapi. On hit for every 2 spike you have, gain 1 damage. Bon, du coup, ça pisse ses corps dans notre build. On est refait. Let's go. Bon, si on arrive à survivre, je pense qu'on a vraiment un très bon build là. C'est marrant lui, les links qu'il a. Ok. Alors, il doit être linké à de la nature. Donc, en voilà un. Sapi doit être linké à quoi? Il doit être linké à des defenders. Ça c'est un defender. Ça c'est un defender.
si je fais ça comme ça. Et là, évidemment, je touche plus personne. Ça, c'est pas un defender, donc il est pas content. Toi, t'as un caster, un autre defender, là, il me faut. Ça, c'est trois defenders. Alors, attends, en fait, si je fais un truc comme ça. Oh, compliqué là. Compliqué cette histoire, compliqué. Bon, déjà, Sapi, il va taper méga fort grâce au spike. Donc, si je peux le mettre avec la chance de crit, on est bien. Donc, Sapi, tu vas aller sur la chance de crit. Ça dégage, ça va là. Cette histoire-là. Toi, tu attaques aussi. Toi aussi, tu pourras aller sur la chance de crit en vrai. Donc, en vrai, le setup, c'est que ces deux-là, ils doivent être comme ça. Ça, c'est le setup de base. Maintenant, lui, qu'il soit content. Lui, il m'emmerde. Voilà, je le dis ouvertement. Parce que, en fait, il prend un slot de Slappy là, c'est pas bon. Il prend un slot de Sappy. Est-ce que c'est juste moi qui devrais faire un truc comme ça? Il doit être linké à des defenders et lui c'est un caster, ce n'est pas un defender. Lui c'est un defender. Pire si je perds un de Spike, c'est pas très grave. On va partir comme ça, je pense. Et on va essayer ça. En train de faire n'importe quoi. Ok, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Alors, retire Epic Air Essence, hein, Air Essence, ok. On a vu que c'était un High Dicest. C'est genre Excalibur avec un D20 là. Quand ça trigger, tu gagnes un de force. Ouais, c'est fort, mais ça synergise pas avec ce qu'on est en train de faire. Urdo. Le truc est linké, gagne plus 3 de damage. Ok. Ichu. When you inflict debuff, restore one health. Mais pas de debuff. Oh, nice, on a le Abatis. Alors attends, il peut fusionner avec quoi? Avec des essences. Bon. Ok, donc. Qui es-tu, Abatis? Tu es un Defender. Ça dégage. Ça, c'est un defender aussi. Je pense que je veux Abatrion. Harmonian, pardon. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la place. On va prendre de la place. Ici, hop, le heal qui tombe. Serena and Sparky. Boulos.
La place, ça peut être pas mal, on anticipe. Alors, voyons voir ce que ça donne. Les spikes font pas mal de damage. Ah, je pensais que ça pite après plus fort. Il ne vend pas du rêve finalement. Les spikes font beaucoup plus de damage que lui. J'ai du mal à croire que c'est 12 de spikes qui font autant de dégâts. Est-ce qu'il compte pas mes best defense dans les damage des spikes? Franchement, je sais pas. Ok, nice, fais voir la régène. Ouais, la restauration, ça carry. Hein. Restauration, c'est beaucoup plus fort que le Lubel. Y'a pas de doute. Alors, qu'est-ce qu'il jouait, notre ami? N30 Cosmion. Pas de type. Enfin, pas d'élément. 33% de double attack cost 0. Ok. Cool. Qui jouait Flo? Il avait le... Le Brittle, non, c'est pas le Brittle, c'est. J'ai oublié comment ça s'appelait celui-là. Le Toughness. Donc il avait ça, ok. On start, il s'est mis des buffs. Avec les Epic Essence, c'est vrai que c'est une façon de les utiliser. Ok. Mais il s'est fait des rails. Allez hop, à plus. Oula. Truc qui superpose, alors. Greedy Dragon 3, 20 coins. Each loose give 8 additional coins. Firestarter, non. Et je peux pas reroll, ok. Cosmion dire more damage according to your opponent missing health. Increase maximum energy by 30%, gain clarity. Pas ouf non plus. Je peux plus reroll. On va prendre de... On va prendre ça, hein. Bloodlust. On n'a pas eu une sortie parfaite, hein. Après bon, on va pas se... À pas se plaindre. On a une bonne sortie quand même. Alors, Uncham, Unstart, inflict acide, dommage. C'est un nature qui se joue à l'acide, on s'en fout. Par contre, on va reprendre un Herculean. Ça, c'est garanti. Je vais voir si je le mets comme ça à notre ami Herculean. Là, il est content. Bam bam. Alors, toi t'as plus de link, ok. On start gain 5 shield for every nature Cosmion. Trigger gain 2 shield. Ok, donc il y a que lui là. Et pas nature. Non, il y a lui aussi. Qui est linké à plus rien d'ailleurs. Link plus 2 damage. My bad. Lui il est pas nature non plus mais il pourrait le devenir. On joue pas électrique donc on s'en fout. Et ça on va le mettre là comme ça. Bon il y a de l'optimisation à faire clairement. Hein. On start, gain one maximum. Énergie. Bah. C'est gratos, y'a même pas besoin de mettre un Cosmion dedans. Et bah écoute, let's go. Alors, toi, on va te faire évoluer. Depuis le temps qu'on cherche à le faire. Et ça, Link 1, at start, gain 1. Ouais. Equal to the stage. Donc là, ce truc-là nous file 44 PV. Celui-là. Il va nous filer 11 PV, mais si on le fait évoluer, il va nous filer encore 44 PV. Ah, on peut faire un perso sac à PV. On peut faire un perso sac à PV s'il y a du heal. Je crois pas qu'il y en a, mais s'il y a du heal ou en pourcentage, ce sera intéressant d'avoir ce genre de créature. Puis de toute façon, il va falloir qu'on get rid, enfin qu'on se débarrasse de certains trucs, genre lui, lui... Parce que aussi à chaque fois qu'on rajoute une nature, on se rajoute du shield avec Abatrion. C'est à ça aussi qu'il faut réfléchir. Donc en fait, ouais. En fait, je vois une nature, faut que je le prenne. De toute façon, j'ai pris
la relique synergise avec, avec cet élément. Donc en fait, je devrais même pas réfléchir. Dès que je vois une nature, je prends. C'est tout. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'énergie? Je pense pas. Bon alors ouais, dès que je vois une nature, je prends, mais lui, j'ai vraiment pas envie. Oh, j'ai beaucoup rire là. C'est quoi ça? Trigger gain 2 haste and clarity. Link Cosmion trigger 20% faster. Donc je pourrais faire trigger plus vite. Et Cosmion qui me donne du. Ah ouais, comme ça là. De gold, ça coûte cher. Bon, on va le prendre au prochain tour. Let's go. ...104 de shield, il a 66, on a plus de PV. Après 56, 30, 0, 12. Ok, à peine on gagne du shield, on le perd direct. Ceci dit, nos PV descendent pas beaucoup hein, avec la régène. Oh, encore un mec qui joue lave. Mince. Et les stacks baissent. Ah ouais, c'est parce qu'il joue Molten Punch. C'est ce que j'ai joué hier. Ça ressemble à ce que j'ai joué à la dernière partie. Donc en fait, je me suis rendu compte que ces deux créatures, le Cinder Jaw et le Molten Punch, en fait, ils fonctionnaient pas très bien ensemble. Ouais. À mon avis, s'il avait eu que l'un des deux, il m'aurait battu. Alors les spikes, c'est que t'es en 15, le Nature Dragon a fait plus de damage que Sapi. Ah ouais, ouais, parce qu'à chaque shield que j'ai... Ouais, bah oui, maintenant il scale, donc maintenant il fait des damage. Donc si j'ai un autre Nature Dragon, ça va taper fort. Ah, donc maintenant il me faut des bataillons des Nature Dragon, ou il me faut des Sapi, je sais pas ce qu'il me faut, mais... On est bien, la restauration, ok, la restauration est là. Qu'est-ce qui me file de la restauration à part les petits duopons là? Y'a rien d'autre? 4, 8, 12. J'ai 20 de restauration. Qu'est-ce qui me file de la restauration? Ok, c'est E. File 4 chacun. Donc 16 et 20. Donc il me faut des Herculean. Les Herculean en fait c'est trop fort, il me faut ça, il me faut des Herculean en masse. Des Abatrions en masse. Et après bah, je pourrais faire des damage avec des Nature Dragon ou avec des Sapi. Donc je me débarrasse de ça, on va voir ce que ce truc là va donner. Let's go. Alors, ok il a un drôle de truc de lien. Unstart gain 10 shield, Link gain... Ok donc c'est du shield au début de la game. Toi si je te mets là, t'es plus content? Ouais. Et comme ça t'es encore plus content. Ouais ça on s'en fout. Pour tous les casters à l'intérieur, on gagne 10 maximum health. Avec ça on est pas mal. Faudrait pas qu'ils soient à côté en vrai eux là. Toi t'es quoi toi? T'es un caster? Non mets toi là. Lui me donne beaucoup de shield au début, ce qui augmente
les dégâts quand même du Nature Dragon. En fait, avoir beaucoup de shield très early, c'est fort. Avoir beaucoup de shield très early, c'est fort parce que ça buff les dégâts du dragon direct. Donc c'est pas mal. Ça, on s'en fiche. Alors lui, il tape. Et il peut évoluer. Donc ça fait une sorte de damage supplémentaire, sachant qu'on est bien en énergie. Donc en vrai, c'est intéressant à prendre. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas du nature, mais ça scale avec ce qu'on fait, puisque ça heal et ça file du shield. Ça, bah, c'est garanti en fait. Et ça, bon, faut que j'arrive à le caler quelque part. Ça marche que sur les nature. Est-ce que c'est pas le moment où je me débarrasse de lui? Je dirais que c'est le moment où je me débarrasse de David, hein. Et ouais, David, hein, je pense que là... On va essayer d'augmenter légèrement nos damage. Peut-être que j'aurai de la place pour remettre David, on va le garder sur le côté. En vrai, j'ai de la place déjà pour remettre David, hein. Allez, voilà. Allez, David, reviens. Reviens. T'inquiète, on est ensemble. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il joue lui? Qu'est-ce qu'il joue lui? R1-1. Donc lui, il joue précision. When your attacker Cosman, il gagne 1 health. Et il gagne des PV max. Il joue haste. Energy regeneration by 4%. Il régène son énergie. Je vais voir comment ses buffs montent. Bah, il bouge pas. Bah, si ses buffs bougent pas, en fait, ce qui va se passer, c'est que non, on va scale. Hein. Ok, en fait, il a. Ouais. Ça a l'air d'être un peu bizarre ce qu'il joue. Je pense qu'on le bat. Ah oui, il nous stun par contre. Ça, c'est un peu chiant. Alors fais voir les damage. Le Yekroot 986, c'est ça Yekroot? 100% de chance de crit, 380 points. Ah ok. Pardon, j'avais pas fait attention. J'avais pas fait attention, il a une créature méga forte. On start, il gagne 3 ace, on hit, il gagne des crit damage. Et il a 100% de chance de crit, comment ça se fait qu'il a 100% de chance de crit? Ça c'est le truc que je comprends pas, comment ça se fait? Il a 100% de chance de crit, il a l'air d'être dans un morceau de sac qui donne un truc spécial. Il est doré là. For every 10 buff you have, give 3% crit chance. Ok, bon bah voilà. Ok. Bon, ok, pas mal. On l'a battu quand même. Alors, deux Fire Essence, et on a dit que nous. Alors, si tu le link à des Defenders, tu augmentes les PV régénérés de 5 et il a 4 positions de lien. Ah là là. Le truc, c'est que je sais pas où le positionner. Et lui, j'ai quand même bien envie de le garder pour les 25 shields du début. Le truc, c'est qu'après, c'est une créature qui est morte, en fait. Ça me sert à rien, après. Déjà, la Fire Essence, je m'en fous. Maintenant, ça, si je le prends, où je peux le poser, ce sera intéressant. Il faut des Defenders.
tous les petits sont des defenders. Si j'arrive à lui trouver son coin de defender, en fait. Allez, tu sais quoi, boum, je l'achète, vas-y. On va voir. Faut que je trouve... Ça, c'est un defender, donc ça marche. Et idéalement, en fait, ça... Lui-même est un defender, en plus. Ok, donc en fait, il faudrait qu'il soit comme ça. Ça, c'est un caster. Slot ici, mettons toi un defender ici, voilà, là il est full slot, lui il est full slot aussi. Maintenant faut que j'arrive à setup ce truc là. Et lui il va être linké à quoi? Lui il doit être linké à de la nature. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Attends. C'est compliqué, monsieur l'arbitre, c'est compliqué. Bon, alors déjà, je peux peut-être m'occuper de... Je peux au moins m'occuper de cette partie-là, déjà. Alors, c'est plutôt... Faudrait que vous échangiez. Vous, les fleurs, là, vous êtes là juste pour trigger les copains. En vrai, de vrai... Que pour ça. Bon. C'est maintenant que le bas blesse. Alors. T3, sachant qu'il y a des trucs dont on peut se débarrasser là, genre toi. Intent Shield per Cosman, per Defender Cosman Inside. Oh là là. Allez. A plus, David. Thank you.
defender, lui c'est un defender. Moi, je veux optimiser les spikes. En vérité, moi, c'est ça que je veux. Là, c'est pas bon. Là, non. Là, non plus. Où est-ce que c'est bon? Attends, là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, ce serait bon. Non, même pas. Mais là, même pas. Ok, bon, je l'ai perdu. Alors. J'ai fait un truc tout à l'heure qui était bien et je l'ai perdu. Là, on peut faire peut-être quelque chose. Ouais, ça dégage, ça va là. Alors, fais voir. Ici. Donc, eux, ils sont bien. Lui, il est bien. Voilà. Tac. C'est pas une nature. Et là, on est bien, mais non. J'ai perdu quelque chose en route. J'avais un bon setup tout à l'heure, je l'ai perdu. Et avoir moins de régène là, ça m'embête un peu, en vérité. Alors, ceci dit, on peut garder le toutou. Là. Et j'aimerais bien faire évoluer ce truc-là. C'est pas un defender. Si je fais ça, on peut plus garder le toutou. Parce que là, j'ai deux slots ici. On va enlever ça. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Ok, nickel. Bon allez. Bon, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais c'est fait. Alors, il joue quoi? Oh. Thunder Claw. The shield at start. Gain shield equal to the damage on the deal. Ah ouais, c'est fort. C'est fort. Qui va scale le plus? Alors attends, là, il est vraiment très fort, lui, hein. Je fais plus de spike. Il n'a pas l'air de scale plus que ça. Il n'a pas l'air de scale plus que ça. On dirait qu'il gagne plus rien là. Alors que moi je gagne des trucs. Il a deux sapis. Et il est ultra stuffé. Hein. Batrion. Et ultra stuffé. Alors qu'est-ce qu'il se dit de moi, je sais pas. En tout cas, ce qu'il se dit, c'est qu'il vient de perdre. Ça, voilà. Alors, fais voir. Ok, j'ai fait plus de damage de spike que lui. Avec le double de plus du double de spike, j'ai fait à peine plus de damage que lui. C'est un peu dommage. Le Nature Dragon a tapé vraiment fort, le sien aussi. Il a un sapi qui a quasiment pas tapé. Il avait des problèmes d'énergie. Le Vanguard Claw a pas fait tant de damage que ça. Il a dû générer pas mal de shield. Pas tant non plus. Il a généré beaucoup plus de shield que moi quand même. Il a un Abatis et un Abatrion. Ok. Et le heal. Il s'est heal. Valkyrie. Oh la Valkyrie. What?
La Valkyrie, il est autant que la restauration. Ah ouais, la Valkyrie c'est fort, hein. La Valkyrie c'est vraiment fort. Ok. Ok, non, c'est un bon build là qu'on a là, je pense. J'espère qu'on va réussir à aller jusqu'au bout. Alors, gain shield, half of the damage Rakan deals. Ok. Alors, ces damage n'ont pas l'air de scale. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de scale ces damage en fait. Parce que cette créature, si j'arrive à scale ses damage, je vais gagner vraiment beaucoup de shield. Alors, ça me prend un slot de plus par contre, hein. Ça devient de plus en plus compliqué. Oh ben. Est-ce que là, voilà pas ma solution là? Le hit dicest sur le Rokkan. Je pense que ouais. Hein. Allez, bim. Pense que ça marche, hein. Oh, une autre Valkyrie. Holy shit. Si j'arrive à doubler le setup. Holy shit. Ça va être vraiment vénère. Chance, ouais. Fun Fox, Epic Water Essence, Fubuki. Eclipse Astral. Nature Dragon Epic. Alors attends, Astral c'est une nouvelle rareté. On avait Legendary, rare, épique, rare Common, épique, rien. Astral. Trigger, Steel One Buff. Link Eclipse Steal One More Buff. Alors, ouais. Astral. Dorangoutan. Ok, donc Astral c'est vraiment la rareté supérieure quoi. Alors est-ce qu'on veut voler des buffs aux adversaires? On pourrait leur voler leur spike, donc oui. On veut bien voler des buffs aux adversaires. On va rester comme ça, notre ami. C'est l'heure de te dire adieu, hein. Protec, à plus. Alors, qu'est-ce qu'il joue notre ami? Il a l'air de jouer Water. Donc il se génère du flow. Est-ce qu'il le consomme? Il a pas l'air de le consommer. 41, ça fait beaucoup de flow. Si, il consomme du flow, ok. Il consomme du flow. Pour l'instant, il nous a pas fait grand chose. Il nous stun, il nous met de la water, decrease opponent's energy regen. Ouais, ok. Ouais, on veut bien voler les buffs des adversaires. Hein. Il nous faut l'autre là. Hein. L'autre il nous met bien. Après avec les spikes et tout, là on a déjà pas mal de spikes. La regen qui trigger comme il faut. Ouais. Nous win, hein. Ok. Il a fait beaucoup de damage. Et on s'est beaucoup heal. On a eu beaucoup de shield. Bon build. Ok, alors, en voilà un autre. 27 gold. Bon, alors le truc. Il va falloir le poser maintenant. Voler des buffs en plus c'est bien mais Pegasus je peux pas décaler à droite donc le seul endroit où je vais pouvoir le poser c'est là en fait là-bas c'est le seul endroit où je vais pouvoir le poser je pourrais avoir un truc en long ici pour positionner un autre caster puisqu'il veut des casters pour faire son truc.
Est-ce qu'on le prend pour style les debuffs ou est-ce qu'on prend une autre Valkyrie? Après, prendre une autre Valkyrie, ça me semble un peu compliqué de la gérer. Ça a l'air compliqué de gérer une autre Valkyrie. Hop, on va le prendre lui. Oh, je peux encore faire évoluer le Rokon. Aussi faire évoluer la plante et avoir des PV max. Hein. On va prendre ça. Ok. Ça, on prend aussi. When you get hit, gain one spike with 40% chance. C'est légendaire ce truc là. Donc là, je trigger des spikes et à chaque fois que je me fais taper, je trigger, retrigger des spikes. Ça a l'air d'être core hein, ça aussi. Triste là, ça, mais style le debuff, ça peut être vraiment pas mal. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il nous 3 lose, il nous reste 2 vies. On va y aller comme ça. Pas sûr que c'était la meilleure idée, ça. Ça, par contre, c'est une bonne idée, c'est sûr. Ok, alors je sais pas comment on win, parce que vraiment, il nous met là le debuff, le burn, la lave qui nous counter le heal. Alors là, mais... Alors il s'est juste fait mais dérailler, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris masse damage du spike. Avec 20 des spikes seulement. Et il a dû beaucoup taper, je pense. Je vois pas ce qu'il a vraiment bien pu faire pour prendre autant de damage aussi vite. Bon, c'est pas grave, let's go. Alors, ah ok, c'était lui. Ok, ok, gagner quoi? Gagner chez des quoi de damage under cloud yield. D'accord, c'était lui. Ok, très bien. Comme ça, et il est là. Toi, si on te met là, est-ce que t'es content? Non, t'es pas content. Où est-ce que tu serais content? Là, tu fais 3. Là, tu fais 3. Là, t'es pas content non plus. Bah, tu vas aller en draw, tu fais 3, écoute. Ok, lui. J'arrive à le jouer, lui. Il faut qu'il soit linké à de la nature. Bon, globalement, toi, je m'en fous de toi maintenant. En vrai. En vrai de vrai. Toi, je m'en fous pas de toi. Toi, non. Toi, tu restes.
plaît. De crit. Est-ce que là, attends. Si lui il crit, ça va faire oméga mal. Ça c'est bien. On peut toujours pas le positionner lui, mais bon. J'ai pas grand chose d'autre à proposer. Allez, let's go. Ça se passe bien. Un mec qui joue feu, le Molten Punch. Start, nan. Ok, donc elle augmente les dégâts du feu. Flick to start. When the opponent, ouais, mais je vais jamais descendre en dessous de 50% PV en fait. Et ouais. On est vraiment fort, hein, parce que là, lui, il est fort. Lui, il stack le feu. Il stack le feu rapidement. En fait, il nous aurait counter s'il jouait pas Molten Punch. Parce que comme Molten Punch consomme les stacks de lave, parce que les stacks de lave, en fait, ça ne, c'est un hard counter, ça réduit notre heal. Ok, Vandercrew a fait 234 de damage, donc il nous a fait gagner 117 de shield. Ah bah non, il nous a fait gagner plus de shield, 206. Parce que oui, au start, il en fait gagner déjà 30, ok. Et un peu plus. L'huile de la Valkyrie est là. Non. Bon, on est bien. Duel One. Alors. De toute façon, on va pas chercher midi à 14h. Hein. Oh. Si j'en ai un deuxième de d'Abatrion. En vrai, ça va faire mal. Ok. Donc là déjà on peut faire ça. Juste histoire de. L'essence elle inflige sinon. Oh là 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 là.
cœur balance, mais je pense que je vais plutôt la jouer comme ça. J'aurais pas réussi à le jouer lui, hein. Pour l'instant, j'aurais pas réussi à le jouer. Il va falloir que je le calque à un moment donné quand même. Alors, électrique, il a beaucoup d'énergie, il se buff beaucoup, il a beaucoup de force, il a de la régène, il a de la toughness, il prend moins de damage. Ouais, ouais, il est fort. Il est fort, mais on a gagné. GG. C'était serré, hein. Fais voir les spikes. Zeus, c'est qui Zeus? Omnicore Astral. Zeus, c'est ça, ouais, ok. Ok, ok. Bim. Donnez-moi, voilà. Voilà, attaque. Oh. Est-ce que je fais le sauvage? Je repars là-dessus. Je l'aurais jamais posé, notre frérot. Oh, j'ai payé, mince. Notre ami Eclipse, je l'aurais jamais posé. Il m'a juste coûté cher, c'est tout. Plus de shield. Allez. Du feu. Non. Non plus. Non plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? When start gain all buffs. Link, if all links are active, plus one to all buff. Oh, sérieux, je peux le poser là? Bah écoute, on va le garder pour le prochain. Astral, Serenius. Pas mal, Serenius. Allez, start duel. Donc qui en est? Encore du feu. Du feu qui stack et qui consomme pas les stacks avec un Serenius d'actif. Ok, ok. Augmente les damage. Bon, ça... ça peut devenir compliqué si le fight dure, mais s'il dure pas... Pour la longueur, on... Pour la longueur, il est peut-être plus fort que nous, et encore, non, même pas. Il nous a pas fait perdre un PV. Tournament over. Hello gain 104. Ah, ça se finit comme ça, y a pas d'overtime, rien. Ok, ok. Donc la dernière médaille. La dernière game. Alors on a le résultat de la dernière game. On a fait 15-3. Rank global, on est 316ème. Daily, on est 6ème. Ok. 555 d'Elo. 3 games, une médaille. Ok, ok. Bon, bah cool. Bon, alors il n'y a pas trop de changements en vrai par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite sur le jeu, je trouve. Après, ça commence à remonter déjà, donc je me rappelle plus trop. Le jeu est cool, franchement le jeu est sympa, moi j'aime bien. Dès qu'on peut faire des builds de toute façon qui a du PVP asynchrone comme ça, moi ça m'intéresse. Il y a toujours le problème de la maladie de l'optimisation du board. Voilà, il y a toujours un moment où tu vas tout péter pour, on va dire, repositionner tous tes cosmions comme il faut, refaire tes synergies. Mais sinon franchement dans l'ensemble c'est cool. Dans l'ensemble, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien le jeu, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. On va probablement sortir la vidéo la veille ou le jour de la sortie du jeu, je pense. Donc, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous le procurer. Il me semble qu'il va coûter dans les 11 ou 12 dollars. J'ai pas le prix en euros.
Mais je sais qu'il y aura une discount de 20%. Ils ont mis une update sur Steam pour dire qu'il y aura une discount de 20% pendant je sais pas combien de temps après la sortie du jeu. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, il faudra le faire au début, ce sera plus intéressant. Il y a encore quelques trucs qui sont pas prêts dans le jeu, par exemple, voilà, au niveau du glossaire, il manque quelques trucs. Il est pas optimisé de ouf, on va dire. On voit pas par exemple les liaisons disponibles au niveau des Cosmion. Les fusions sont pas dispo. Bon, sinon il y a un petit tuto classique qui marche bien. Et voilà, si vous aimez Backpack Battle, franchement, au moins testez la démo. Voilà. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser là, moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos découvertes tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Twitch pour les records en live tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30. Allez, bonne soirée les gars, peace.